Bonjour, je vous propose d'explorer la troisième carte mentale du chapitre sur la neuroanatomie qui porte sur la mise en place du système nerveux. Voici la carte mentale en question. Nous nous intéressons donc à la quatrième branche de cette carte mentale, donc la mise en place du système nerveux. Nous avons commencé par évoquer les étapes du développement embryonnaire qui, chez l'homme, se fait en 38 semaines. Nous avons évoqué le fait que le premier jour, donc c'est le jour de la fécondation, deux gamètes, spermatozoïdes et ovules, se rencontrent et constituent la cellule œuf. Durant la première semaine, cette cellule œuf va se diviser, c'est une étape qu'on appelle la segmentation. En même temps, elle se déplace dans les trompes utérines et arrive donc au niveau de l'utérus, et lors de la deuxième semaine s'opère ce que l'on appelle l'implantation, donc dans la cavité utérine. Au cours de la troisième semaine, donc cet amas de cellules va présenter un phénomène que l'on appelle la gastrulation, au cours duquel on va voir des cellules donc se déplacer. Cette gastrulation, comme son nom l'indique, gastre qui fait référence au tube digestif, correspond à la mise en place d'un tube digestif, enfin, du tube digestif primitif. Et au cours de cette étape, du fait des mouvements de cellules, nous allons observer l'apparition de trois feuillets, ce que l'on appelle les feuillets embryonnaires, qui sont l'endoderme, le mésoderme, l'ectoderme, l'ectoderme étant le plus en surface. À la fin de la troisième semaine, la neurulation commence. La neurulation, c'est le début de la formation du système nerveux. Durant les semaines qui vont suivre, c'est-à-dire de la quatrième à la huitième semaine, nous observons l'organogenèse, c'est-à-dire la mise en place des autres organes. Et dans les 30 dernières semaines restantes, tous les organes mis en place, toutes les ébauches mises en place vont tout simplement maturer. Nous nous sommes davantage intéressés à la neurulation. Donc la neurulation, c'est la formation du système nerveux qui se fait à partir de tissus ectodermiques. Nous avons vu que le début de la neurulation va se manifester par l'apparition d'une sorte de plaque au niveau de la région dorsale de l'embryon. C'est ce que l'on appelle la plaque neurale qui se constitue, nous avions dit fin de dernière semaine, elle commence à apparaître au 19e jour. Cette plaque neurale va changer d'aspect, les bords de la plaque vont se relever, vont constituer une gouttière, qui s'appelle donc la gouttière neurale. Les bords vont finir par se rencontrer et vont former une sorte de tube, qui s'appelle le tube neural. Dans un premier temps, ce tube est ouvert à ses deux extrémités, puis le tube va se fermer à ses deux extrémités. Au 30e jour, le tube est effectivement bien fermé à ses deux extrémités. S'il y a un problème concernant la fermeture de ce tube, s'il y a un problème au niveau de l'extrémité rostrale, s'il n'y a pas de fermeture à cette extrémité, l'encéphale ne pourra pas se développer. On parle d'un état appelé anencéphalie. La fermeture ne se fait pas au niveau caudal, le problème sera qualifié de spina bifida, comme nous l'avions détaillé. Alors, en parallèle de la formation de ce tube, on constate que des amas de cellules vont migrer de part et d'autre du tube et vont constituer ce que l'on appelle les crêtes neurales. Au final, on peut dire que deux structures sont présentes. Le tube neural, qui est un tube creux situé dans le dos de l'embryon, c'est une région qui va donner le système nerveux central. La partie rostrale de ce tube neural va donner l'encéphale et la partie caudale va donner la moelle épinière. L'autre structure correspond aux crêtes neurales qui ont une position latérale par rapport au tube neural. Elles donneront, elles, naissance au système nerveux périphérique. Nous avons continué donc cet aperçu du développement du tissu nerveux en évoquant la présence de deux types de substances dans le tissu nerveux. La substance grise et la substance blanche. La substance grise correspond à une zone au niveau de laquelle on trouve le soma des neurones. Le soma est bien sûr ces courts prolongements que sont les dendrites. Nous avions dit dans le chapitre précédent que les synapses, donc l'apport d'informations sur un neurone va se faire essentiellement au niveau des dendrites et du soma. Donc cette zone, la substance grise, va correspondre à une zone d'intégration des informations. Nous avions déjà évoqué ces deux types de substances et dit que la substance grise peut être envisagée comme étant une sorte de processeur si on fait l'analogie avec un circuit électronique.
Nous avions évoqué différentes appellations selon que la substance grise est présente dans le système nerveux central ou dans le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, la substance grise donc de l'encéphale pourrait être qualifiée de cortex ou de noyau. Cortex si elle est en surface, noyau si elle est en profondeur. Dans la moelle épinière, la substance grise va être qualifiée de corne. On y reviendra. Et dans le système nerveux périphérique, la substance grise se localise au niveau des ganglions nerveux. La substance blanche, elle correspond au prolongement des neurones, donc essentiellement aux axones. C'est un endroit, donc la substance blanche, où les informations, donc les messages nerveux, vont circuler. Lors de l'analogie faite avec un circuit électronique, nous avons dit que la substance blanche, eh bien, correspond au fil du circuit électronique. Différentes appellations peuvent être proposées. La substance blanche du système nerveux central, plus spécifiquement de l'encéphale, va porter des noms qui évoquent des structures allongées. On peut parler de tractus, de voies, de faisceaux, de rubans. Dans la moelle épinière, on retrouve des termes qui évoquent aussi des structures allongées, hein, donc des sortes de fils. On va parler là plus spécifiquement de cordons, de colonnes ou de funiculi, donc au pluriel funiculus au singulier. Dans le système nerveux périphérique, ce qui correspond à la substance blanche, ce sont tout simplement les nerfs. Nous avons donc terminé la présentation de cette partie de la carte mentale et je vous dis à bientôt pour explorer la suite de cette carte mentale.